Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 252 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à The Land of Lamia. Et The Land of Lamia, c'est un jeu que je ne connais pas. Voilà, on est toujours parti. Ça m'arrive de faire des jeux que j'ai jamais démarré. Enfin, si, je l'ai démarré, juste pour voir s'il démarrait. Et je sais pas du tout dans quoi on est, je sais pas le style du jeu. Voilà. Je sais pas sur quoi on va tomber, combien de temps ça va durer, est-ce que ça fait peur, est-ce que ça fait pas peur, est-ce que c'est un jeu d'action. En tout cas, déjà, il y a des tronches de monstres. World of Monsters. Oh putain, j'ai allumé mon clavier. Désolé, je suis surpris. Donc, New Game Intro. Alors, ça n'a pas l'air d'être en français, du coup. Hein. Ouais. The Land of Lamia. Start. Alors, que se passe-t-il? Qu'est-ce sur quoi je vais tomber? Genre le ma souris, c'est moche. Waouh, les belles fleurs! On dirait des magnétiques là, les trucs magnétiques qu'on construit. Vous savez, les trucs avec des boules, il a fait des tiges et des boules. Merde, j'ai oublié le nom. Ah, on faisait des trucs, des constructions de ouf avec ça. Ok. Paye ton réalisme déjà. Alors une ambiance avec un peu de brume. Oh, une maison. Enfin. Ah oui, d'accord. Ok, des enfants. Dans la forêt. Qui dorment sur des lits dans la forêt. Avec des plantes qui ressemblent à des bouts de carton empilés. Il fait dodo. Elle, putain merde. Elle a... non. T'as des couettes, hein? C'est ça, t'es une fille? Ouais, oh putain. Wacon. Malformation quand tu nous tiens. Ok. Thomas. Thomas, réveille-toi. Merde. Where are we? Merde, ça veut dire quoi ça? I don't know, Lily. Thomas, this look like. Alors, quand t'es pas sûr pour faire la traduction, hein. Voilà. Je comprends des fois dans ma tête. That's a new story. Ok, c'est juste une histoire. From the book of Lamia. Même tout le monde a compris ça. It's in the kitchen. Enfin, in your bed plutôt là. Wacon. Wacon la gueule des personnages. Donc c'est très abstrait, hein. Je pense que c'est un jeu qui a été fait par Picasso. Voilà. Voilà, voilà. Ok, même quand il cligne des yeux, c'est pas naturel, c'est pas normal. Oh putain, ah ça me fait flipper. Ah, c'est bon. Alors, play. How to control Lily and Thomas. Press the arrow, ok. Press un shift, then space, vers quoi? Oh putain, ça a été écrit par des écoliers, lol. Space to make Thomas jump for... You can open the book and fly pressing B, comme book, hein. But press shift and Thomas will run faster. Ouais. Spacebar, jump, press C to continue. Voilà. Est-ce qu'on va contrôler le petit personnage en 3D? Oh, bien! Bien! Yo, oh, ça saute. Oh oui, ça saute. Et shift pour aller plus vite. Alors, elle va plus vite que nous, sauf si on court. Ouah, comment elle est devenue toute verte. Oh putain, c'est une statue. Ok, j'ai fait 4 pas, ma sœur est morte. Donc, il fallait pas aller par là. Ma souris, tu fais chier. Faut vraiment que je fasse un truc, ça. Il y a des jeux, c'est sympa. Elle disparaît toute seule, mais alors des jeux, elle reste là. Ma sœur est de nouveau morte. Je fais de la fratricitude. Thomas and Lily, we can help you.
Est-ce qu'on pourrait m'indiquer ce qu'il faut que je fasse, s'il vous plaît? Alors, j'imagine qu'il faut pas que je sorte du sentier. En fait, le plus dur dans ce jeu, c'est de pas sortir du sentier. Ok. Ou peut-être pas laisser la sœur tout seul, je sais pas. Ok. Alors un choix s'impose à moi. Vas-y, mets-toi bien en vue au-dessus, quoi, histoire que je sache pas du tout où je dois aller. Hein. Voilà. Si je me trompe, je t'en voudrais toute ma vie. Ok. Et en fait, pourquoi on est là? Ok, on est tous les deux morts. Créature is the world. Attends, peut-être que c'est marqué quelque part. Hein. Ouais. Alors. Parce que quand même, ça fait deux fois qu'on meurt, hein. Pourquoi ma sœur marche plus vite que moi par défaut? Là, si je sors, là, je me fais démonter, on est d'accord. Ok. On est bien d'accord, c'est quand on sort du sentier qu'on meurt. Hein. Je suis pas sûr. Alors, du coup, je me fais un petit fratricide de plus. On n'est pas à ça près. Les pauvres petits enfants qui meurent juste en sortant du sentier. Si c'est pas d'un sadisme. Belle bande d'enculés de développeurs. Ah, je me dis toujours, quand je joue un jeu, je me dis toujours, il y a un mec qui était derrière son ordi. Parce qu'en ouais, en général, là, sur l'ordi, hein, c'est mieux. Et il a fait un jeu comme ça. Il s'est dit, ça va cartonner dans les basse-cours. Non, pas dans les basse-cours, mais disons dans les cours d'école. Lol. Donc on va pas aller à droite, on va aller à gauche. Hein? Parce que peut-être que je vais m'en mourir si je fais ça. Ouais. 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 Alors est-ce que il y a de l'aide quelque part? Est-ce que je fais échappe, il se passe quelque chose? Il se passe rien. Entrée, ok. Je peux sauter. Donc ça n'a aucune utilité là, effectivement. Donc je meurs, quoi que je fasse. Alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour pas mourir? Parce que je sais pas si vous savez, mais ça me fait pas spécialement rigoler de mourir toutes les 3 secondes, voilà. Donc, tout à l'heure, je suis mort assez rapidement, juste en allant. Ah, si je meurs en allant là-bas, plus la merde. Hein. Oula, je meurs pas. Je suis pas mort. Il a fallu que je meure quand même 6 fois quand même. Ok, il y a un petit nuage. Donc c'est genre nuage qui vous transforme en pierre, c'est ça? Hein? Parce que je crois bien que je sais comment on meurt dans ce jeu. Oh putain, ma souris, sans déconner. Ok. Donc il y a un nuage, il suit le chemin, parce que c'est vachement important pour un nuage de suivre le chemin. Faudrait pas qu'il soit transformé en pierre. Oh,
Ok, donc j'ai en plus de ça un nuage qui me court après, hein. Donc voilà, j'ai une chance sur deux de mourir. Alors, est-ce qu'on va là-bas? Je vais le faire une dernière fois. Si je remeurs, ce jeu peut aller se faire foutre. Parce que j'arrive pas à jouer en fait. C'est voilà. Hein. Comme vous l'aurez compris. Il y a des fantômes chez moi. Putain, ça fait flipper. Vous avez vu cette ambiance qu'il y a dans ce jeu et ça fait des bruits chez moi. Oh putain. Ok, donc le nuage, hein. J'ai passé la scène du nuage parce que je m'en bats les couilles. Par contre, là du coup, je reviens ici. Ouf, heureusement que le nuage, il peut pas... Il peut pas sortir du sentier. Sérieux? Et si j'allais là? Si je meurs, j'arrête de jouer. Ah non, une décision. On va aller là-bas. Ouh, je sens que je vais mourir. Ou non, je ne suis pas mort. Par contre, j'ai un nuage qui me court auprès du cul, qui me court au cul. Je suis poursuivi par un nuage qui va m'assassiner parce qu'il va pas tarder à me rattraper. Ce fils de fils. Ah, attends. Ce fils de cumulonimbus. Exactement, ça c'est la pire insulte pour un nuage, se faire insulter de cumulonimbus. J'ai ma souris qui me perturbe, qu'est-ce qu'elle fait là? J'ai envie d'aller à gauche, j'ai envie d'aller à gauche. Si je meurs à gauche, je suis dégoûté. Ah non! Ah non!
Ah non! Ah non, 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 non! Ah, nom de Dieu! Ah non, attends, ça recommence? Ta sœur. Ta sœur. Voilà, exactement. Voilà. Donc, je ne sais pas à quoi sert ce jeu. Je peux même pas faire échappe. On peut sauter à l'arrière. Voilà. On va rester là. On va s'arrêter là sur cette vidéo. Sur ce test, voilà, The Land of Flamia. Si vous voulez un jeu bizarre, où vous savez pas ce qu'il faut que vous fassiez, à part échapper à un nuage, et que si vous sortez du sentier, vous mourrez, tout simplement, et puis vous recommencez tout. Parce que là, en fait, faut tout recommencer, donc faut se faire tout le chemin, donc j'ai pas envie, voilà. J'ai vraiment pas envie, c'est pas le moment. Si j'ai vraiment du temps à perdre, oui, je ferai ça. Voilà. Et puis j'espère que si... Je regrette un peu ce jeu, quoi. Il est joli, mais... Il est joli, l'ambiance est glauque, donc c'est sympa. Forcément, j'aime bien. Si c'est glauque, j'aime bien. Mais... Je sais pas à quoi il sert. Voilà. Ok, les morceaux de ma chaise qui tombent. Ok. Ok, d'accord. Je vais pas tarder à finir par terre, les gens. Donc, je vous dis, si vous avez aimé cette vidéo... Vous êtes bizarre, voilà. Non, mais si, voilà, mettez en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, si vous le connaissez, si bien, dites-moi la logique, hein, il y a sûrement peut-être une logique à comprendre. Enfin, pour l'instant, j'ai un peu du mal, hein. Je vous dirais, même en mettant beaucoup d'efforts, hein, pauvres enfants, ils meurent, quoi. Je sais pas où ils sont, pourquoi ils sont là, et puis ils meurent. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, abonnez-vous, restez dans le coin, voilà. Et puis amusez-vous bien. Tchou !